Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. On est sur Dragon Ball Xenoverse, je suis en compagnie de Link le Giz. On va se faire un petit peu de coop, salut à toi. Hey, salut, comment vas-tu? Ça va super bien, je suis avec mon personnage exotique, qu'on appellera Light, et pas Killa. Mais... il faut savoir une chose, c'est qu'on voulait se retrouver dans le même hall pour faire une petite introduction sympathique avec les émotes du jeu, mais le fait est que on tombait jamais sur les mêmes serveurs et que vu qu'on s'est pas ajouté en favori, je dois vous avouer, ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué et je sais plus trop comment ça fonctionne l'histoire, cette histoire de liste de joueurs, trouver une équipe, trouver des joueurs ou autre, et Link non plus. Et non, complètement là. Ça... on a un petit peu rejoué de notre côté avant de commencer à tourner parce que c'était un petit peu la cata, hein, il faut le dire. On a quand même des bons persos. Ouais, ça va, des persos pas dégueux, mais qui n'ont pas servi depuis 6 mois. Depuis la dernière vidéo, c'était pas avec. Enfin, non, on avait un petit peu rejoué, il me semble, mais c'était pas loin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, le lien sera dans la description. Toi, t'as pas le même perso que la dernière fois. Non, c'est un autre perso. Et moi non plus. Donc c'est plutôt génial, on va pas faire la même quête que la dernière fois, on avait fait Pierre Berserker. Aujourd'hui, on va faire un petit truc sympa. Je vais créer la salle du coup. Hop, okay, comme d'habitude. T'as toujours pas du coup les nouvelles quêtes parallèles. C'est dommage parce qu'il y a toujours la quête là des... machin chose là, je sais plus comment elle s'appelle. Tes pires ennemis que je n'ai jamais réussi. Avec beaucoup trop dur. Les 28 Goku et les 32 Vegeta tués... Alors, étant donné qu'on avait fait Pierre Berserker, je te propose soit de faire Guerrier Saiyan, soit de faire le Festival du Gorille Géant, qui reste quand même assez drôle. D'ailleurs, au pire, on va faire les deux, on va voir comment ça se passe. Bah ouais, c'est ce que j'ai te proposé, de faire les deux. Bah écoute, on va commencer par le Festival du Gorille Géant. Allez, c'est parti. Histoire de se mettre bien, et on va faire un truc assez, un petit peu entertainment par rapport à vous, ce qui vous donnera une raison de regarder les deux vidéos. Et oui. Exactement. Parce qu'on est des fous, nous. Et parce qu'on joue à deux. Mais... Hop, exactement. Mais. On va pas se suivre. On ne va pas se suivre puisque le jeu est ouvert, c'est un open world. Ouais. C'est un open world. J'ai mis, pour ceux qui regardent de mon côté, le bonnet de la force, bien évidemment. Le chapeau de la force. Hop. J'ai le pouvoir de Batman en moi. Eh bah oui, donc plus rien ne peut t'arriver. Bah, si seulement. Mais du coup, vu que t'as le chapeau de Batman, est-ce que tu parles plus grave ou pas? Comment ça se passe? Alors, ça dépend des fois. Ça dépend. Des fois, je suis Batman et des fois, je suis PlaySilver, donc... D'accord. Voilà, des fois, j'ai la voix un peu grave, mais bon, pas trop. D'accord, d'accord. Non, mais je comprends. Because I'm Batman. du coup, portail de gauche ou de droite pour toi? Bah écoute, je me sens bien de partir à gauche. Ok, vas-y, portail de la facilité. Du coup, tu vas te taper qui? Tu vas te taper Nappa. Non. Bah c'est si. Toi qui vas te taper Nappa. Bah non, si tu prends le gauche. Bah oui. Bah c'est Nappa à gauche. Bah non. Ah oui, effectivement, donc non, toi tu vas te taper Badak, ok. Exactement. Et du coup, bah moi je vais me taper Nappa, qui n'a pas de skill. LOL, cette blague me tuera. Oui, hop. Je pense. Je pense qu'elle aura raison. Faut pas dire ça. Non, c'est pas. Hop. Alors attendez, parce que... Ouais, c'est bon, j'ai réussi à avoir sa queue, ça c'est cool. Parce que je suis très mauvais en lancer de gorille, moi. Pas très, ouais, ça, très bon. Ça, je me démarre pas trop mal, ça va. Oups, pas ce que je voulais. Tac. Bah, c'est au niveau de la caméra que j'ai un petit peu de mal, en fait. Par contre, je me débrouille très bien en spam de Kamehameha parfait. Hop. Oui, parce que je suis l'élève de Cell, bien évidemment. Hop. Nappa KO. C'est un espèce de traître qui te fait enseigner tes attaques par des méchants. Bah ouais, mais j'ai jamais dit que j'étais gentil, moi. C'est pas faux. Et oui. Alors, attends, parce que du coup, faut que j'aille au niveau de quel portail? C'est fait? Presque. Ok, et moi c'est fait. C'est en cours de négociation, là. En cours de négociation, il se laisse pas faire? Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Oh, allez, coucher là. Hop, Kamehameha parfait. Boum. Voilà, c'est géré pour moi. Ok, bah je t'attends au niveau de Vegeta. Hop. Okay. Tac. S'il n'est pas mort d'ici là, mais il sera mort. Avec un peu de chance. Si. Non. Non. Hop, please. Allez, vite. Non. Non. Oh, le salaud. Hop, c'est pas le bon. C'est moi qui l'aurais. Aïe, rapide. Ah, je voulais lui prendre sa queue. Hop. Et ah, on a la bonne fin.
J'aime beaucoup mon personnage, franchement, hop, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle est stylée. Alors, après c'est peut-être un peu dommage, il y avait une jupe qui avec la même ceinture que Luffy, ça aurait été drôle d'avoir un cosplay de Luffy. Oh non, je peux pas prendre le portail. Oh sérieux? Alors c'est un Oh. bug qu'on a aujourd'hui. Je sais pas, des fois t'as les portails qui bug, du coup bah je vais devoir faire le tour. Ouais, bah. Du coup, j'ai bien fait de pas passer de ton côté. Bah ouais. Effectivement. C'est peut-être une histoire de droite ou de gauche, hein, de team Captain ou de team Iron Man. Peut-être, ouais. Potentiellement. Hop. Mais c'est bon, je suis là. Hop. Et on va aller se taper contre Shield. Il est bientôt mort. Ouais, quasiment. Midlife. Je te laisse l'autre moitié, tiens. Meurs! Ya. Raté. Oh, je voulais me téléporter, mais j'ai pas eu le temps. Tac. Salut. Allez, allez. Ah bah, Il quand a pas même. eu le temps de taper. Ah, franchement, la TP, c'est vachement cool, quoi. C'est vrai que du coup, bah, Link et moi, on a fait Naruto Storm 4 depuis le temps. Oui. Enfin, depuis le temps qu'on n'a pas joué à ce jeu-là. Et ça fait du bien, mine de rien, de revenir sur ce jeu, parce que même si moi, je préfère les jeux de combat Naruto, globalement, c'est vrai que ces histoires de TP, même de compétences, en fait, ça reste quand même vachement cool. Ouais, j'avoue que autant le Oh, j'ai Storm une boule. 4, ouais, bah GG. Mais j'ai que des matériaux bidons. Hein. J'ai eu la 7 étoiles, en plus. Franchement, si ça, c'est pas merveilleux. Ah bah bien. Je sais pas, j'en ai combien d'ailleurs. Enfin, ça me sert plus à grand chose de toute façon, mais bon. Bah c'est C'est dans vrai que quoi? C'est dans moi un non sac. plus. C'est dans le sac, ouais. Liste des objets. Ah, j'en ai des deux. D'accord. Ah, bah j'ai la boule à 4 étoiles, la plus importante. Ah bah il me manque Hop. la 5 étoiles, moi juste. Alors, juste. Bah, du coup, je vais en profiter pour donner quelques attributs à mon personnage. D'ailleurs, là, on est dans une petite session de tournage avec Link. On va vous tourner deux vidéos ensemble. Pas les deux sur. Enfin, pas deux sur Dragon Ball, mais deux vidéos parce que. Parce que ça fait longtemps. Tout Ouais, parce simplement. que ça fait longtemps et qu'on a trouvé deux, trois Qu'on a petits trouvé deux trucs. jeux, c'est ça. Hop. Alors, du coup, je parle au petit robot. On va se créer une salle et du coup, on va se faire. Alors. Ou alors, on se fait quel duo? Le non-repos des guerriers, le truc avec Broly. On peut se faire ça. Mais il y a cette boule de cristal à. Ah, ouais. Mais ça me permettrait de placer ma blague sur Broly. Allez, vas-y, je sais que t'as envie de Eh, la mais à faire, quoi vas-y, que. on y Ah va. non, Broly, il est pas dans Guerrier Saiyan. Hein. Bah non. Non, je crois pas. Non, 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 non. Ouais, mais elle est quand même plus tentante, celle-là. Ouais, non, les Saiyans, on en voit trop partout. Ouais, il y en a Ouais, trop. Puis on sur est déjà Broly. deux Saiyans, donc bon. Ouais, j'avoue. J'avoue. Trop de Saiyans. Ouais, Alors, bah. du coup, je vais t'envoyer une petite invitation. On va sûrement se faire un petit versus après et on conclura la vidéo là-dessus. On va pas faire un truc trop trop long. Enfin, à chaque fois qu'on dit ça dure toujours super longtemps, de toute façon. Oui, moi j'ai souvenir d'un fameux live où j'ai dit ouais, on se fait un petit truc sur Dragon Ball, ça dure 1 heure et au final, au bout de 4 heures, on s'est dit on va peut-être faire autre chose. Oui! Je vais peut-être aller dormir. Ouais. Donc Ah, mais ouais, en même temps, c'est que le temps passe vite. c'est vrai. Alors, si vous voulez, juste avant le début de cette vidéo, on a lancé un pré-enregistrement. Enfin, on a lancé l'enregistrement un petit peu avant de tourner. On a fait les derniers réglages, voilà, avant de commencer à commenter. Exactement. Et en 10 minutes, on n'avait toujours rien fait, quoi. Les fameux secrets de tournage dont personne ne Les parle. fameux, oui, voilà, l'envers du décor. C'est ça. On va vous faire une vidéo making of. Comment ça se passe le tournage? Genre, moi, j'ai mis 10 minutes à mettre mon bonnet. Parce que j'avais du gel dans les cheveux et qu'il tolère pas trop le gel, ce bonnet, visiblement. Ouais, et puis pendant ces 10 minutes-là, moi j'ai essayé de régler mon micro qui d'un coup Régler ne son voulait micro, ouais. plus. Hop. Let's go! Alors, il faut trouver les Dragon Ball. J'en ai une. Sous l'eau? Non. Plouf. Ah, il y a Broly. Hé, y a Broly. Hop. Ah, mais c'est parce qu'en fait. Ah, on a un allié? Ah non, un fan! Oh, pardon. Ah oui, t'as un fan. Eh. Une fan même. Une fan! Ouais, ils auraient pu envoyer une autre Videl, hein, un peu mieux habillée quand même. J'avoue. Hop. Je sais plus du tout où elles sont. Ah, mais c'est vrai qu'on a le Dragon Radar. J'ai Ouais, pas par fait contre, gaffe. je te propose qu'on ne ramène pas la troisième. Ah, d'accord. Comme ça, on tape Broly. Ok. Eh, mais en fait, c'est parce que Broly, c'est un petit peu le Hodor de Game of... de Dragon Ball. Parce que Hodor, tu vois, lui, il passe sa vie à faire Hodor. Et Oui. Broly, il passe sa vie à faire Kakarota! Voilà. Ouais, c'est pas con. J'y ai pensé tout à l'heure parce que. Épisode 2 de Game of Thrones, no spoil dans les commentaires. Ah bah oui, non, Enfin, interdit. de la saison 6. Et ouais, j'y ai pensé. Hop. Puis il a une voix un peu de Benet, Broly, je trouve. Hop. Puis il a un chara-design complètement pété.
J'avoue, autant le Broly pas transformé, je suis tellement fan. Oui. Mais là... Enfin non, mais oui, je vois. Non, je suis pas fan. Ouais, mais bon, oui, j'adore. Je vois non transformé. Hop. Tac. Non, je trouve trop grand même de base en fait. Oui, bon après, non, mais je pense juste au niveau du style qu'il a en fait. Ah, ouais, non, c'est vrai que je suis pas trop fan perso. Hop. Oh, c'était beau ça. Dommage. On en veut plus du combat comme ça. Non, mais elle est KO l'autre, comment elle a fait? Bah, elle est nulle. Ah, attends, c'est bon. Y a ses copains qui arrivent. Ouais. Wouhou. Non, mais on a pas besoin de vous, les gens. Hein. Ah, mais attends, mais tu parlais de ramener la troisième, mais j'ai même pas ramené la deuxième, moi, en fait. Hop. Je me casse. Je vais faire trempette, je suis en maillot de bain, de toute façon. Hop. Ouais, bah, vas-y. Il y avait une boule par ici. Ah, la voici. Hop. Bloup, bloup, bloup. Elle grossit mine de rien lorsqu'elle rentre dans la. Lorsque tu l'attrapes la Dragon Ball. Je sais pas si c'est normal. Hop, je savais pas que ça fonctionnait comme ça les Dragon Ball. Ouais, mais on va dire que c'est normal. Oh, on a la fin ultime. Qu'est-ce qui se passe avec la fin ultime? Genre Broly revient en mode vénère? Je crois. Ah non, il y a juste Dragon Ball et Broly qui se relève. Voilà. Quelle futilité, je veux en finir. Ouais, c'est ça. Ils disent tous. Ouais, c'est tout ce qu'ils ont dit, mais malheureusement. Aïe. Que de la parole, c'est méchant. Ah, c'est un. Mais ah, genre, c'est... mais non, mais c'est mon mentor qui s'est ramené. Genre, je suis trop faible, quoi. Ah, mais. Voilà. Ah, mais du coup, c'est bien parce que ça confirme du coup ce que disait l'un d'entre vous lors de notre précédente vidéo sur Dragon Ball Super qui commence à dater. Mais si tu es encore là, bah bonjour à toi. Oui, je crois oui. Que c'était sur ta chaîne d'ailleurs. C'était sur ma chaîne, oui. Hop. Et que, oui, effectivement, du coup, si tu joues mal, eh bah il vient. C'est ça. Merci Trunk d'avoir. Merci aussi Goten d'avoir bousillé mon attaque. Voilà, merci. Écoute, pendant que tu combats, je propose moi un gameplay complètement différent à mes viewers. Ah ouais? Qui est le ramassage de boules de cristal. Franchement, c'est pas mal. Ça doit être vachement cool, vachement. Franchement, c'est épique. C'est ludique aussi, je pense. Hop. Complètement. Mais de toute façon, tout le monde rêve de voir une fille en culotte se battre. Et en chemise. Oui, bah oui. Et en chaussures avec des chaussettes longues. Hop. Non mais j'aime pas ces ennemis, tu peux pas leur faire de chop quoi. Même les singes tu peux. Bah ouais. Hop. C'est mais celle lui, qui l'a vaincu quoi, ça c'est triste par contre. Ah ouais, ah d'accord, vous l'avez eu. Ok. Ouais ouais, déjà. Ouais bah ouais. Ah ouais. Mon dieu, on a eu la fin ultime. Mon dieu que c'était dur. Ouais mine de rien, en fait c'est bon là, on vient de retrouver un petit peu notre vigueur d'antan. C'est parce ça. Qu'on a fait Pierre Berserker pour se remettre dans le bain juste avant et wow, on n'a pas réussi. Non, en fait, on n'a pas passé le premier combat, je crois. Deuxième. Ah oui, deuxième. Bah, deuxième phase, vu que tu pouvais pas venir, le portail, il était bloqué. C'est ça. Non, mais moi, j'étais bien dans mon canyon, je pouvais pas passer les portails. J'ai vaincu Satan, moi, s'il te plaît. Bah ouais. Attends. Et oui. C'est le talent, ça. Hop. Du coup, tu préfères quoi, qu'on fasse du versus ou qu'on tente une dernière quête? Je te proposerais bien un petit versus. Un petit versus? Ok, un petit versus. Hop. Du coup. Yeah, je saute. Allez, on va faire un petit versus. Aussi. Hop, un matchmaking d'amis. On va créer la salle. On va faire du 1 contre 1. Et on va mettre un emplacement privé. Et moi, y t'attends. Et on va se faire le plus grand combat de tous les temps. Batman vs Superman. Tony Stark versus Steve Rogers. J'ai failli perdre son nom. Oui, parce que c'est bien connu, Tony Stark et Batman, et Steve Rogers et Superman. Oui, bah... Et Bruce Wayne et Iron Man, et Clark Kent, enfin Kal-El, et Captain America. Et oui, voilà. Hop. Non, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu Civil War, et pas Batman vs Superman, mais Civil War est génial. Bah, j'ai vu aucun des deux, donc chute. Je ne dirai rien. Si ce n'est qu'à la fin, je me suis dit que le film il était bien. Du coup, ton personnage contre le mien. Ouais, j'ai pris mon perso. Ok, alors niveau arène, on va se prendre un petit truc sympa. La planète sous foule, on s'en fout. Surtout que je l'ai pas, donc je sais pas si on pourrait y aller. Bah tiens, au pire, on essaye. On défie les lois de Dragon Ball Xenoverse. Toi, tu vas te retrouver sur une planète random. Tu vas te retrouver dans le néant. T'imagines la planète avec les textures pas chargées et tout. Ah, c'est bon, t'es dessus? Ouais, c'est bon. Oh mon dieu, ça marche trop bien. Hop, salut.
Yeah, je me casse. J'avais oublié, il faut charger son ki en début de partie. J'ai juste cru dans Naruto Storm 4. Enfin, dans Naruto Storm en général. Hop. T'as vu ce petit coup de pied d'appoint que je t'ai donné? J'avoue, là, je suis très impressionné. C'est... J'ai les jambes assez flexibles, en fait. Hop. Aïe. Mais what? Alors, par contre, cette latence qu'il y a au niveau de l'enchaînement des coups... Salut. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'ai tenté une contre-attaque. Je pensais que t'allais m'attaquer, en fait. Ah. Oh, mais... le mec, il va te suivre jusqu'au bout du monde, quoi. Hop. Ah, attendez, là ça rigole pas. Aïe aïe. Ouais, wow, 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 oh, 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 oh. Attention. Pas de mode Super Saiyan? Non. Non. Trop facile sinon. Oui. Yeah. Ah, faut rester appuyé pour spammer, d'accord. Eh, cette shop est tellement classe. J'avoue qu'elle est classe. Franchement, je pense qu'on va se faire deux petits combats. Eh ben non. L'ATP qui sert à rien. Hop. Tac, aïe. Tac. Aïe. Oui, aïe, oui, aïe, hey, aïe. C'est serré, mine de rien. Ouais, ça va. J'y ai cru. Ah, j'ai plus d'endu. Ça remonte comment, l'endu, par contre? Ça, je sais plus. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si c'est en tapant ou en se faisant taper ou en attendant ou un truc comme ça. Oui. Et non. Je te laisse le temps de te barrer, c'est beau. Et vite. J'ai pas pu. Ça marche tellement bien, ça. Ouais, j'avoue. Hop. Bien joué. Bien joué à toi d'avoir perdu. Bon, si on compte bien, ça fait 3-0 pour toi, mon gars. Ouais, j'avoue. J'avoue. Oui, on se refait un combat, tu veux qu'on prenne un perso du jeu ou on prend notre perso encore? Je partirais bien sur la revanche de nos persos. Encore? À moins que tu veuilles changer de perso. Moi ça me dérange pas. Non, mais parce que sinon je t'aurais dit on choisit le perso avant d'aller sur la liste, vu qu'il n'y a que 15 secondes pour choisir son perso. Et là tu fais aléatoire. D'ailleurs j'ai toujours mon bug, hein, moi si vous savez d'où ça vient. J'ai un costume non débloqué pour Nappa, mais un costume qui n'existe pas. Et ayant le DLC, je n'ai pas Vegeta Super Saiyan 4. on sait pas pourquoi, il n'est pas là. Ah, tu t'es toujours fait arnaquer sur le DLC. Allez, on va aller dans le monde des Kaioshin parce que c'est quand même cool. Ouais, non, mais mon DLC il a planté, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais. Ouais, non, c'est pas sérieux tout ça. Cet écran blanc. C'est quoi ce bruit que je viens d'entendre? Je sais pas. Hop. Alors j'ai eu un bruit chelou. J'ai entendu un petit bruit qui venait de chez toi aussi. Mais c'était des genre, tu sais, genre tu patoches dans la mare, c'était. C'était assez spécial. C'est ton personnage qui a lâché une pêche, c'est tout. Non, s'il te plaît. Nous sommes en présence de Lady, voyons. Exactement, c'est une dame. Hop. Par le pouvoir. Ouais, mais ton. Tu sais, t'as l'âme un petit peu de Vegeta, donc. C'est ça, c'est peut-être ça. Ah bah, mais merci d'être revenu dedans. De rien. C'était pour te faire plaisir. Aïe. Comment ça, je t'ai pas chopé? Hop. Allez, coucher. Hop. Rechargement de ki. J'ai quoi comme truc, moi? Ah oui, non, mais j'ai ça vachement cool, en plus. Ah mince. Putain, je croyais que t'attaquais. Tiens, pas. Le dernier recours des tortues. What? Oui. Oh, c'était... Oh, joli. Je suis revenu dedans, quoi. C'est... Ouais. C'était le but. C'était tout calculé. Ouais, c'est... Oula. Ouais, j'ai eu un lag. Ouais, j'en ai eu un aussi. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Aïe. Oh non! Non mais... Ah si, c'est le mien, ah, c'est le mien qui est passé! C'est bon. Je l'ai pas l'absorption, donc. Moi je nage, là. Allez, viens te battre! C'est un homme! Bah. Je crois qu'il a pas été assez loin, mon truc. Non, pas du tout. Dommage. Ah, c'est pas mal, n'empêche, de se cacher dans l'eau comme ça, quand tu fais un petit caméra. Ça, par contre, c'est pas cool. Non, ah moi, j'aime là, bien. Là, ça se présente mal! Zed! Ah non, j'allais dire c'est pas passé loin, mais en fait c'est passé très loin, non? Oui. Ouh. Et c'est la victoire! Bien! Ça fait 3-1. Tu veux qu'on en refasse une dernière? On est à 20 minutes. Allez, va pour une petite dernière. Ok, une petite dernière. Alors. Avec nos persos encore? On peut changer si ça te dit. Vas-y, on va prendre un perso du jeu.
C'est vrai que c'est un peu mal foutu au niveau de l'équilibrage, mais bon, de toute façon, a priori, tu vas prendre un perso badass et moi aussi. Quoique. Un petit Goku Vegeta au pire? Quel Goku? Super Saiyan bleu? Bah, je les ai pas donc. Ah oui, mince. Tant pis, j'ai pris Gogeta Super Saiyan 4. Ah, ok, d'accord. Ok, je sens pas du tout l'arnaque. J'ai pas du tout pris un personnage pété, non. Ah oui, ce Vegeta. Ah bah oui. Écoute, c'est 15 secondes, c'est pas assez. Hein. Non, j'avoue, c'est vraiment pas assez du tout. Mais par contre, après, du coup, les 1 minute, je trouvais ça trop lent dans Naruto Storm 4, par exemple. Oui, par contre, une minute, c'est quand même un peu chaud. What, 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 what? Ah oui, non, mais c'est vrai que ce personnage-là, il peut pas charger son machin. Ouais. Hop, tant pis. On va la faire à l'ancienne. Hop. Cette non-animation des attaques, quoi. Tellement. Boum! Aïe. J'ai pas trop compris tout ce qui vient de se passer. Hop, allez. Oh, GG. Tac. Ça, c'est le genre de combat, tu le fais sans bouger pour montrer que t'es fort. C'est ça. Hé hey, hé, hey, regarde mon torse. Hop. Ah, la chope des ténèbres. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça va jamais passer, ça. Si, vu que j'étais en train d'attaquer, en fait. Oh, c'est tellement pété. On va dire que ce combat compte pas, on va le finir vite, et puis on va en faire un petit autre derrière. Je prendrai Goku, tu prendras Vegeta. Allez. Quoique, je préfère Vegeta, donc... Bah go, prendre Vegeta alors. Mais du coup, lesquels? Enfin, quelle période? Oh, les premiers. Ok, d'accord. Oh mon dieu, il me fait des dégâts. Non. Attends, je vais presque te battre avec ton... C'est tellement de la merde, le crash du météore. Oups. T'es sûr? What the fuck? Attends, c'est quoi ce pétard mouillé? Un bon pétard mouillé. Comment il marche le Big Bang Kamehameha? Je crois qu'il faut vraiment le charger à fond. Ah oui, il faut rester appuyé, d'accord. Ça va, tu te protèges bien. Cette attaque, elle aurait dû t'anéantir. C'est vrai. Non. Un petit pince-téton normal. Après, ça va finir en vie, on va se mettre de l'huile. KO. Ouais, si, c'est bon, t'es KO. Ouais, ouais, oh là là, ce combat du nymphe. Non, c'est vrai que c'est sûrement l'un des personnages les plus pétés du jeu, hein, je trouve. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais. Ce Gogeta. Par contre, c'est dommage qu'il y ait ce Gogeta-là, mais pas le normal. Ouais, c'est vrai. Tu sais pas pourquoi. Bah c'est vrai qu'il y a plein de persos qui manquent en fait. Ou des transformations qui manquent plutôt. Oui oui, des transformations c'est vrai. Côté Frieza, côté même... Ouais non, celle, il y a le celle normal. Ouais, mais c'est non. Le deuxième qui... Il n'y a pas le ah sel... oui non, il n'y a pas le sel normal. Le sel... Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est le sel normal qui n'y est pas. Du coup, bah je prends le premier Goku. Tu prends le premier Goku, je prends le premier ouais. Vegeta. Ouais. Ok. Ça me va. Et on va prendre une arène, l'arène de tous les dangers, la planète Namek. Oh. Détruite. Oh. Hop. Qui est très belle d'ailleurs. C'est vraiment sympa, ouais. Bah la démo du jeu était dessus, non? Ouais. Ouais, je me disais bien aussi. Hop. Je en te plus, battrai. Sangoku. Kakaroto. Hop. Non. En tant que prince des Saiyans, je te vaincrai. Non mais mec. Oui. Non mais l'habitude d'avoir mon... Comment on fait pour charger? Ah oui, comme ça. Mon rechargement d'énergie sur ce bouton-là, mais sauf que... Oui, bah beaucoup, oui. Bah voilà. Je comprends. Hop, je suis le prince des Saiyans. Ouais, bah tu vas mourir quand même. Non, Benza, il le fait beaucoup mieux que moi. Ouais. Hop. Tac, tac, tac. Aïe. C'est tellement bizarre de prendre des persos aïe. Aussi faibles au final. Bah ouais. Ah, sérieusement, frappe de Kiko a enchaîné. Aïe, aïe. Attends, j'ai quoi? What? J'ai même pas de canon Garrick. Genre, t'as pas de canon Garrick. Eh, attends. Hop. Non mais, attends, je voulais faire un truc drôle, mais dans le vide. Tu sais pas comme la fois où je t'ai dit, eh, attends, je vais te faire un petit truc de merde et que ça t'a one shot. Regarde. Je t'ai eu, c'était une ruse. Qui n'a pas marché. Ah, non. Ceci n'était pas ah, mais il est pourri ce Vegeta. Non, mais il a même pas de canon Garrick quoi. Oh, ton Kamehameha bug. Non, pas pour moi. Non, il a même pas de canon Garrick. Ok, bon bah. Même toi, t'as un Kamehameha. Yeah! Ouah, la caméra qui m'a fait tellement un truc chelou. Ça, je sais pas ce que ça fait.
Je sens le lag. La morsure de soleil, non. Oh là là, c'est un scandale. Des soleils. Bon, on avait dit un truc pas trop long, donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, si tu es d'accord. Oui, je suis complètement d'accord. Je bois de la lave, il y a mes cheveux qui ont des spasmes. Pourquoi pas. Écoute, moi je regarde l'horizon tel un fier guerrier. Hop. Eh ben écoutez les amis, on va quitter la salle. Hop. En tout cas, ça fait plaisir de revenir sur ce jeu, hein, après tout ce temps. Ouais, c'est toujours aussi fun. Ça vaut pas du Naruto Storm, mais bon, est-ce que c'est comparable? C'est vrai que Naruto Storm, en termes d'adaptation de manga en jeu de combat, ça a quand même un sacré niveau, quoi. Clairement, oui. Dans les jeux actuels, en tout cas. Moi, j'attends beaucoup One Piece Burning Blood. J'attends de voir ce que ça va donner. Ça ressemble beaucoup à du G-Stars, vu de loin, mais est-ce qu'ils vont avoir apporté des améliorations à ce moteur et à ce gameplay? J'espère. Parce que sinon, je vais être déçu. Ben ouais, non, enfin, il peut être bien, je sais pas si je l'attends tant que ça, personnellement. Il y a quand même pas mal de persos qui sont... Bah, je crois qu'il y a plus ou moins tous les persos, quoi, donc... Ouais. Ça s'annonce bien, mine de rien. Et puis, il y a un pack DLC, tous les personnages féminins en maillot de bain, donc bon... À ce prix-là, voilà. Alors, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous attendez One Piece Burning Blood ou d'autres jeux tirés de manga, genre SNK, le jeu SNK qui a l'air pas mal. Ouais, qui a l'air pas mal, mine de rien. Dites-nous, ou même, tu vois, un truc auquel on pensait tout à l'heure, dites-nous quel manga vous verriez bien adapté en jeu vidéo. Bleach. Enfin, en jeu de combat, moi. En jeu de combat, en fait. Pour le coup. Non, oui, en jeu de combat, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en jeu de combat. Oui, et SNK n'est pas un jeu de combat, je reprécise, parce que ça pourrait porter à confusion. Mais ouais, non, Bleach ou Fairy Tail, ça pourrait être pas mal, vu que t'as des personnages, t'as des attaques. Bon, bah, il y a tout. Tu peux prendre n'importe quel Neketsu, au final, mais... Oui. Au final, quoi, je veux dire, tu pourrais même faire un jeu de combat sur le petit chef. C'est vrai. Attends. C'est complètement vrai. Et Okushina, dans Naruto Storm, elle se bat avec des ustensiles de cuisine, hein. C'est pas vrai. Du tout cliché, mais... Non, bah... Elle se bat avec des ustensiles de cuisine. Pourquoi ce serait un cliché, voyons. Non, je vois pas. Quoi qu'il en soit, on espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin? Eh bien, j'espère que tout simplement, cette vidéo vous a plu. Plagiat. Plagiat. C'est de honte, ça. Bref, on se retrouve du coup très bientôt pour une petite autre vidéo en coop, qui est sur un jeu, ça vous fera sûrement plaisir. En fait, j'en sais rien, je dis ça comme ça, comme si je savais tout. J'en sais rien, j'espère que ça vous fera plaisir. Bah, j'espère aussi, tout simplement. Mais on n'en sait rien. Voilà, sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao. Et que la funk soit avec vous, les amis. Yeah. Ciao.